David Hallyday surprend agréablement ses admirateurs avec une révélation inattendue. Selon les informations du magazine France Dimanche, David est en train de vivre une nouvelle histoire d'amour, bien que celle-ci ne soit pas de nature conventionnelle. En réalité, il s'agit d'une réconciliation avec ses fans, qui sera bientôt immortalisée dans une autobiographie à paraître. Cette nouvelle phase de sa vie, qui se déroule au Portugal, semble marquer un tournant significatif dans son parcours personnel et artistique. David Hallyday avait, en apparence, tous les éléments pour connaître le bonheur, résidant au Portugal aux côtés de son épouse, Alexandra Pastor, qui est également la mère de leur fils, Cameron. Cependant, cette nouvelle connexion avec ses fans semble l'inciter à entreprendre une introspection profonde et une réflexion personnelle. L'autobiographie qu'il est en train de préparer semble être un moyen pour lui de mettre à plat tous les aspects de sa vie, de partager avec ses admirateurs non seulement ses moments de joie, mais aussi ses échecs et ses souffrances. Le contenu de ce livre constitue une véritable confession, révélant des aspects de la vie de Florent Pagny qu'il n'avait jamais partagé auparavant. Cependant, cela suscite également des interrogations sur la réaction de sa femme, Alexandra Pastor. Aurait-elle essayé de le dissuader de divulguer ses détails personnels? La réponse à cette question demeure un mystère, selon l'hebdomadaire qui consacre sa une à cette histoire. Ce livre ouvre une nouvelle dimension dans la vie de David Hallyday, mettant en lumière sa relation unique avec ses fans. Cependant, il reste à voir comment cette révélation affectera son équilibre personnel et sa vie publique, car certains anticipent déjà des remous à venir. À 57 ans, David Hallyday semble enfin prêt à être pleinement lui-même, dévoilant un chapitre inédit de son histoire.